Coucou, bonjour Mathias, j'espère que tu vas bien. Ben moi, ça va super bien. Merci. Bien, la question à propos de Zakordi, comment je me suis sentie? Pour une comédienne comme moi, ça fait énormément plaisir. C'était un honneur pour moi. Déjà, de pouvoir lui donner la réplique sur le plateau, vu qu'il jouait mon époux, on était les deux acteurs principaux. Lui donner la réplique, c'était un petit, qu'on va dire, un rêve de petite fille qui devient réalité parce que je l'ai connue étant toute petite, quand je n'avais même pas encore fait du cinéma ma passion ou alors ma carrière. Et je rêvais toujours de pouvoir lui faire la réplique, de pouvoir travailler avec lui sur un plateau. Mais alors là, de jouer le rôle de son épouse et d'avoir même en même temps le plaisir d'être dirigé par lui parce qu'il était aussi le réalisateur du film. Alors là, c'était la totale. Magnifique. Et maintenant, son humilité à venir sur les réseaux sociaux, faire un tel témoignage en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon travail, quoi de mieux? Quoi de plus beau pour une actrice de recevoir des éloges du réalisateur avec lequel elle a travaillé? Ah oui, c'était un honneur. Ça reste marqué. Vraiment, c'est chapeau à ce monsieur. Je lui dis merci infiniment. Tout d'abord, l'histoire m'a passionnée énormément lorsque le réalisateur Salem Khedi m'a contacté pour que je joue le rôle de la maman, la marâtre. Vous savez, le mot marâtre n'est pas toujours méchant, mais chez nous, dans notre milieu, quand on se réfère à nos contes de l'enfance, la marâtre, c'est celle qui est méchante, forcément. Pourtant, c'est pas toujours ça. Mais jouer ce rôle-là a été pour moi, ça a été pour moi un plaisir énorme à partager cela avec le petit Sam qui était à sa première expérience. Et le plus important pour moi, c'était le sujet, c'était l'histoire même du film, qui était de mettre en avant ce jeune garçon qui est comme tous ces jeunes enfants qui ont des passions et forcément des idoles. Et quoi de mieux que de choisir une idole comme la légende du football africain, Samuel Eto'o Fils, qui a tellement fait rêver et qui donne envie aux jeunes d'être comme lui. Donc c'était un plaisir énorme de jouer ce rôle-là. Et moi, étant méchante dans le film, c'est un peu tous les catalyseurs, c'est de manière indirecte, c'est un peu tous les obstacles que les jeunes peuvent rencontrer dans la poursuite de leur passion, de leur rêve. Mais le plus important, c'est de pouvoir réussir, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout, ne pas lâcher malgré les difficultés, les embûches. Et voilà quoi, donc c'était un plaisir. Lui, évidemment, oui. Il a regardé la bande-annonce et il nous a contactés. Mais moi particulièrement, je ne peux pas me prononcer parce que je n'étais pas présente. Je sais que la productrice est allée à sa rencontre et qu'il y a de très belles choses, de très belles perspectives à propos de ce projet. Et voilà quoi. Et vous savez que Samuel Eto'o Fils, c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui sait reconnaître, on va dire quoi. En fait, c'est cet élan qu'il a, rien que la reconnaissance de savoir qu'il y a des gens qui ont travaillé sur un sujet qui le concernait. Ça fait déjà chaud au cœur pour nous, cinéastes, de savoir que il a même déjà regardé, qu'on espère il va être touché, pas forcément pour qu'il y ait une contrepartie, non. Mais ça nous fait plaisir de rendre hommage à cette légende-là. Et qu'il accepte, c'est un honneur. Bon, moi particulièrement, je ne suis pas trop portée football oriented, on va dire comme ça. Mais je suis camerounaise. Et une camerounaise, c'est les Lions Indomptables, forcément. Lorsque les Lions Indomptables jouent, oui, il y a ce petit truc-là qui fait qu'on se réveille, quoi. On se réveille et on a envie de booster. Et moi, je dirais, mon expérience, ma toute petite expérience, depuis qu'il est à la tête de la présidence de la FECAFOOT, c'est que les choses sont palpables. Tout le monde peut le remarquer. Il y a toute une mouvance. Il y a
une effervescence récemment avec le championnat camerounais, avec le ballon d'or camerounais. Donc, sur le plan local et sur le plan international, on voit bien que les choses se bougent positivement. On voit bien que les choses avancent et que l'amour que les Camerounais ont toujours eu du football se renforce davantage avec beaucoup plus de confiance. Moi, c'est ce que moi je vois clairement. Et je pense que j'irais même jusqu'à dire que c'est une bénédiction pour le football camerounais et africain parce que ça booste davantage, ça booste. Et du coup, pour cette Coupe du Monde, ça donne envie quoi d'aller s'asseoir et dire, allez, les Lions vont jouer, on va bousculer parce qu'on a espoir, on sait qu'on peut aller loin. Est-ce que je pense que le Cameroun peut remporter le mondial? Oui, c'est possible. Rien n'est impossible à celui qui y croit. Rien n'est impossible à celui qui se bat. Rien n'est impossible à celui qui a la foi et qui se donne les moyens d'aller plus loin. Et je pense que c'est le cas de l'équipe les Lions Indomptables. Je pense que c'est le cas du président de l'Afrikafoot et toute sa team. Je pense que c'est le cas pour tous les Camerounais qui aiment le football et qui soutiennent les Lions Indomptables. Oui, on y croit. On a été préparé pour ça et pourquoi pas? Ah oui? Ah oui, on peut gagner la coupe. Aboubakar Chou, pour moi, pour la simple raison que récemment, il m'a énormément marqué pendant la Coupe d'Afrique, tout simplement. Je ne connais pas les techniques de Aboubakar Chou ou alors celle de Choupo Moting parce que je ne suis pas trop portée sur le football. Mais la fierté que Aboubakar et toute l'équipe, bien entendu, bien toute l'équipe. Mais Aboubakar, il m'a donné envie de regarder le foot dernièrement lors de la Coupe d'Afrique. Donc voilà. Du Poitou France, je peux pas me prononcer là-dessus. Franchement, je ne peux pas me prononcer parce que je ne connais pas forcément tous les joueurs de l'équipe nationale. Performances respectives, leur position même sur le terrain. Je sais qu'ils sont placés là, qu'ils touchent le ballon et que, ben voilà quoi. Et celui qui marque, c'est bien pour l'équipe, voilà. Donc je peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Je ne sais pas. Je pense qu'ils ont forcément leur raison. Ils savent pourquoi ils l'ont pas sélectionné et pourquoi ils ont sélectionné les autres. Tout ce qu'on veut, c'est rentrer avec un beau palmarès. Donc. Mon pronostic pour le match Cameroun-Suisse. Je dirais un match nul. Je dirais un match nul. Sans plus. Sans plus. Un match nul. Ah oui. On peut gagner le Brésil. Ils ne nous font pas peur tant que ça. Hein? Si oui, pourquoi tu le penses? Pourquoi je le pense? Je me souviens à l'époque, je sais plus trop l'année ou alors si c'était une Coupe du Monde, c'était forcément une Coupe du Monde. J'étais encore toute petite. On a joué un match, je crois que c'était contre la Colombie avec la légende Roger Milla. Mais on n'imaginait pas qu'on allait gagner. Je peux me tromper, mais je sais que ça devait être avec la Colombie. On n'imaginait pas qu'on irait si loin. On n'imaginait pas qu'on allait gagner la Colombie qui était aussi performante. Le gardien du but, c'était encore qui l'a Gullit. Bref, je me souviens plus. Mais on l'a fait. On l'a fait, on a gagné. Il y a eu des équipes ténaces que les Lions Indomptables ont affrontées et ont vaincu. Donc pourquoi pas le Brésil? Come on, c'est les Lions Indomptables. Hein? Ah ben dis donc, arrêtez ça. Oui. Toko Ekambi. Toko Ekambi. Il a ce petit truc-là. Quand tu le vois, il est tout frêle. Il est comme quelqu'un qui est même à la limite malade, qui ne se sent pas très bien. Mais quand il va sur le terrain, ah ben dis donc, c'est là où tu sens qu'il est en santé. Non, j'aime bien. J'aime bien. Parce qu'il surprend toujours en fait. Enfin, il me surprend. Il me surprend. Ouais. Toko Ekambi.
Les lions. Eh, il fallait même que j'ai mon maillot. Comment je n'ai même pas encore acheté? En tout cas, je vais aller acheter mon maillot parce que cette fois-ci, hein, j'ai dit que je n'étais pas portée sur le football, mais là maintenant, Lucie, même babose. Je vais crier, je vais supporter parce qu'à la maison, avec mes enfants, surtout mes garçons, c'est oh maman, viens regarder le football. Je dis bon, appelez-moi quand on a marqué, puis je viens regarder le ralenti. Mais là, je serai assise, je vais faire campagne. L'étude que je balance souvent à tort et à travers sur les réseaux sociaux, là, ce sera grave cette fois-ci. Donc j'ai confiance aux lions. Vraiment, allez les lions, allez les lions. Allez plus loin, allez plus haut. Vraiment, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Je nous souhaite à nous beaucoup, beaucoup de succès. Et nous sommes avec vous en prière, en force, en onde positive, en aura positive. Nous sommes avec vous. Allez-y les lions. C'est ça. Le Hemley. Aïe, 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 aïe. Allez. Ciao, ciao.